La magie des rendez-vous d'histoire nous fera oublier quelque peu l'inconvénient d'être contraint de rester sous nos masques. Je suis Antoine de Ravignan, journaliste environnement alternative économique, une publication dont je ne saurais trop vous recommander la lecture. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Christian de Pertuis. Christian de Pertuis, vous êtes économiste du climat, professeur à l'Université de Paris-Dauphine, auteur d'une dizaine d'ouvrages qui traitent de lutte contre le réchauffement climatique. Et nous nous retrouvons aujourd'hui autour de votre dernier livre en pleine actualité, Covid-19 et réchauffement climatique. Il n'a échappé à aucun d'entre nous que l'arrêt ou le ralentissement forcé de la circulation des personnes pour contrer la propagation du virus s'est traduit non seulement par une récession mondiale et une casse sociale dont on n'a pas encore vu toutes les conséquences, mais aussi par une chute historique des émissions de CO2, chute vraiment historique, du jamais vu. Et la question qu'on peut se poser, et à laquelle Christian vous apportez dans votre livre des éléments de réponse, c'est la suivante. Est-ce que, après cette crise que nous connaissons aujourd'hui, les émissions de gaz à effet de serre vont se remettre à grimper de plus belle comme avant et nous conduire tout droit vers un monde invivable à plus 3 ou 4 degrés? C'est en gros ce qu'on voit quand on regarde l'histoire passée des émissions de gaz à effet de serre, après chaque choc économique, le coup de barre et ça repart. Ou bien est-ce que quelque chose est en train de changer aujourd'hui et qui ferait que notre planète a peut-être déjà atteint le pic historique de ses émissions mondiales? C'est un peu un questionnement qui est au cœur de cet ouvrage. Bref, est-ce que l'histoire est en train de repasser les mêmes plats? Et c'est un peu là-dessus, question que j'ai envie de vous questionner. Et il y aura sans doute bien des questions que vous poserez, et il ne faudra pas hésiter à les poser à la fin d'un premier échange que je vais avoir avec Christian de Pertuis. Et avant de rentrer dans le vif de notre sujet, une question moi, que j'aimerais vous poser. Pourquoi et comment l'économiste que vous êtes s'est-il intéressé au climat? Et pourquoi l'économiste du climat que vous êtes devenu a-t-il été amené à s'intéresser de plus en plus à l'histoire économique? Ce qui me frappe dans vos écrits, au départ, on a l'impression d'être plutôt intéressé par les questions assez techniques, le marché du carbone, la fiscalité, et que les angles se sont élargis. Dans l'introduction de votre précédent livre aux éditions Debout également, excusez-moi, c'est pas celui-là, le tic-tac du réchauffement, le tic-tac de l'horloge climatique, vous soulignez l'importance de s'intéresser à l'histoire, l'histoire du climat pour que ça change aujourd'hui. Merci beaucoup Antoine, merci à tous, je suis impressionné vraiment de nombre de personne dans cet amphithéâtre, hein, puisque à peu près tous les événements auxquels je suis invité, souvent on me dit au dernier moment, on va me basculer en ligne, et du coup je suis obligé de parler devant des écrans, des Teams ou des choses comme ça, et là vraiment j'ai beaucoup de plaisir d'être avec vous ce soir et de partager ce moment, même si les contraintes sont évidemment un peu lourdes, pour vous d'écouter des gens masqués, et pour moi de parler avec un masque, mais quand on est dans la maison de la magie, je me dis que bon, il y a un petit côté un peu, si vous voulez, magique, hein, de parler comme ça à des gens qu'on voit à moitié. Alors, tu m'as posé deux questions, Antoine, une, hein, et je reconnais bien là le talent des journalistes de Alternative Économique, dont je recommande également aussi la lecture. Le premier point, c'est comment je suis tombé sur les questions du climat, c'est assez simple. J'ai eu une chance inouïe, j'ai rencontré des climatologues. Et notamment, en 2002, j'ai rencontré Jean Jouzel, hein, qui est l'un des plus grands climatologues français. Et tout simplement, j'ai écouté ce que me disaient les climatologues. Et à l'époque, franchement, l'économie de l'environnement était pour moi non seulement une partie de l'économie que je connaissais assez mal, mais c'était parfois une partie de l'économie que je regardais avec une certaine ironie, tu vois. Je disais, oui, bon, c'est les gens qui s'occupent des petits oiseaux, des choses comme ça. Bon. Et la rencontre des climatologues, Jean et d'autres, m'a totalement
totalement bousculé dans ma représentation. Vous voyez ? Et dans ma représentation, je me suis dit, mais c'est très important d'étudier comment fonctionne l'économie aujourd'hui, la politique monétaire, le budget, etc., enfin, tout ce que vous dites dans l'interéco et autres. Hein, bon. Mais tout ça, c'est à l'intérieur d'un énorme système qui est le système climatique, qui est le système de la biodiversité. Et au fond, la question du climat va être absolument déterminante pour l'économie. Donc ça a vraiment été la rencontre de climatologues, et du coup, j'ai fait un investissement assez important pour un type comme moi, qui n'est pas ingénieur, moi j'ai pas fait des études d'ingénieur, hein. Je me suis paluché, si j'ose dire, hein, les rapports du GIEC, hein, les grands rapports du groupement international, intergouvernemental des économistes du climat, et je fais toujours l'effort, aujourd'hui, malgré un peu l'épuisement des neurones, je fais l'effort de me tenir au courant de ce que dit la science du climat. Et ça, je crois que c'est extrêmement important dans le débat public aujourd'hui, tout le monde parle du climat. Un peu comme le Covid, hein. Et tout le monde est devenu épidémiologiste parce qu'il y a le Covid, et tout le monde est devenu climatologue parce que le climat est devenu... Et donc je fais cet effort de toujours puiser... La connaissance à la source auprès des sciences du climat. Et alors pourquoi est-ce que je m'intéresse à l'histoire ? Vous savez que dans le milieu que je fréquente, les économistes du climat, tout le monde est absolument obsédé par les scénarios à l'horizon 2050, à l'horizon 2100. Bon. Moi, je n'ai jamais fait un seul scénario. J'ai monté une chaire d'économie du climat en 2009, qui a quand même maintenant 11 ans, donc certaines fiertés d'avoir monté ce truc-là, et aujourd'hui il y a une trentaine de chercheurs. Et tout de suite j'ai dit aux chercheurs, on ne va pas faire le énième ou le énième plus un scénario prospectif, on va essayer de comprendre dans le fonctionnement d'aujourd'hui et d'hier des sociétés, comment est-ce qu'on peut poser la question du climat. Et je trouve que notre génération n'est pas plus intelligente que les générations qui nous ont précédées. Quand on regarde comment les générations qui nous ont précédés ont prévu l'avenir, ils sont toujours trompés. Donc nous, si on prévoit l'avenir, on va se tromper. On ne va pas préprogrammer l'avenir. Et donc je pense qu'il est très important d'essayer de comprendre les mutations que nous devons faire devant au regard de ce que nous enseigne l'histoire d'hier. Et je dis un dernier mot, parce qu'il ne faut pas que je sois trop long, hein, parce qu'on consigne aussi. Croyez-moi comme ça, c'est une vertu, il faut faire attention. Alors, quand je discute avec Jean Jouzel et que je vois les travaux que font les climatologues, je vois qu'une partie de la science du climat, c'est la paléoclimatologie. Et Jean, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a passé une grande partie de sa vie, vous savez, à faire de la calotte, comment ça s'appelle ? À faire des prélèvements dans la glace, et à lire le climat d'hier, à travers... Hein, la composition de la glace de l'océan Arctique ou des choses comme ça. Et donc, dans la science du climat aussi, la connaissance de l'histoire permet de mieux comprendre les contraintes actuelles et les évolutions climatiques de demain. Donc moi, si j'ai un conseil, je n'ai pas de conseil à vous donner, mais je vais le faire quand même. Hein, si vous vous intéressez au climat, écoutez les climatologues. N'écoutez pas ce que dit Europe 1, enfin, n'importe quelle radio, je ne veux pas citer l'une plus que l'autre. Hein, bon. Et il faut aller à la source. Et deux, avant de vous projeter dans le passé, essayez de réfléchir comment est-ce que. Avant de vous projeter dans le futur, pardon, essayons de réfléchir comment les contraintes du passé nous permettent de mieux comprendre ce qu'on peut faire pour essayer d'avoir un futur plus vivable. Alors justement, si on regarde. Le passé, moi je vois une grande courbe d'émissions de CO2 qui grimpe indéfiniment depuis le début du XXe siècle et qui s'accélère après la Deuxième Guerre mondiale. Je vois que les politiques climatiques qui ont été de plus en plus mises en place à partir des années 90 n'ont absolument pas infléchi cette courbe. Et que les seuls moments où cette courbe s'est infléchie, c'était à l'occasion de crise. Crise de 29, l'après-guerre, ça on ne parlait pas de climat à l'époque.
On a eu la crise de 2008, une toute petite inflexion des émissions et ça repart de plus belle. Est-ce que, dans le livre, là, tu dis, bah, puisque tu me tutoies, je tutoie. Excusez-moi, normalement, moi, je vous voyais quand on est en public. Tu dis, oui, mais c'est pas du tout évident que le même scénario se reproduise. Alors, qu'est-ce qui te fait dire ça? Moi, j'ai plutôt l'impression que les indicateurs, c'est quand même le risque d'une histoire qui va se répéter. On va repartir dans une croissance. Si la SIA relance demain de l'économie, on va repartir avec une croissance des émissions. Pourquoi ça s'arrêterait aujourd'hui alors que ça ne s'est pas arrêté hier? Parce que l'histoire nous raconte. Alors d'abord, je pense que quand on regarde la courbe de long terme de l'émission de CO2, qui est dans le bouquin, page 32, je crois. Vous avez deux courbes. Hein. Vous avez la courbe des rejets de CO2 qui est liée à la déforestation. Et puis vous avez la courbe qui est liée aux énergies fossiles. La courbe de CO2 qui est liée à la déforestation, enfin, c'est les changements d'usage des sols, mais le principal facteur c'est la déforestation, elle ne s'éloigne jamais beaucoup de quelque chose qui est de l'ordre de 5 gigatonnes par an. Et ce qui change, ce sont les lieux de déforestation. Jusque vers 1950, le principal foyer de déforestation au monde, c'est l'Amérique du Nord, la conquête de l'Ouest. On fait une conquête de l'Ouest, et avec les cow-boys, tout ça, ce qu'on a vu nous, dans les westerns, et en réalité, on rase beaucoup de forêts pour faire quoi? De l'élevage extensif ou de la culture céréalière. Et puis, en Europe, on a beaucoup déforesté un peu avant, en Chine, on a beaucoup déforesté avant, et chaque fois, le facteur déterminant de cette déforestation, c'est l'emprise des sols pour cultiver ou pour élever des animaux. Donc vous voyez que la question de la déforestation, elle est liée à la question agricole et forestière. À partir de 1950, on a l'impression que la courbe ne bouge pas, mais la géographie de la courbe bouge. Et moi, j'avais un professeur d'histoire en terminale, le premier cours, il nous avait dit, vous savez, l'histoire et la géographie, c'est la même chose. Et à l'époque, je n'avais pas compris ce qu'il voulait dire. Maintenant, j'ai compris ce qu'il voulait dire, effectivement. Bon. Et à partir de 1950, la déforestation cesse. En Amérique du Nord et dans les pays de forêt tempérée, la forêt tempérée s'élargit même, et la déforestation bascule vers les forêts tropicales parce que on défriche la forêt tropicale, non pas pour s'amuser à envoyer du CO2, mais pour élargir les mises en valeur agricoles, des cultures plus intensives et de plantations en Asie, des cultures plus vivrières dans la vallée africaine, Congo, bassin du Congo, et évidemment en Amazonie, l'élevage extensif. Et donc l'histoire est la même, mais quand même, la géographie change. Pour les émissions de CO2 d'origine énergétique, là, on a un phénomène absolument majeur, qui est le phénomène, je crois, le plus important pour l'environnement durant tout le XXe siècle et pour la première partie du XXIe siècle, qui est la révolution des énergies fossiles et une logique de l'empilement des sources. C'est-à-dire que vers 1850-1860, au moment où je fais ce petit retour historique au début du tic-tac de l'horloge climatique, l'essentiel de l'énergie provient de la biomasse. Soit la biomasse directe, via l'attraction animale, les animaux, on les monte, on les nourrit avec eux. Et puis le charbon arrive et on ne fait pas reculer la biomasse. Et puis le pétrole arrive et on ne fait pas reculer le charbon. Et puis le gaz d'origine fossile arrive et on ne fait pas reculer le pétrole. Donc on est dans une logique de l'addition. Et cette logique de l'addition, elle a permis d'accroître dans des quantités considérables la disponibilité de l'énergie par habitant au XXe siècle, au début du XXIe siècle. La grande révolution qui est devant nous en matière énergétique, c'est de passer de cette logique de l'empilement vers une logique de substitution. Il ne s'agit pas de rajouter des énergies non fossiles, essentiellement des énergies renouvelables aux sources énergétiques, il s'agit de sortir massivement et rapidement trois produits du système énergétique que sont le charbon, et ce type de révolution,
de transition énergétique par substitution dans lequel il faut retirer les sources d'énergie. Ça, on n'a jamais fait au plan global. Je dis de mots maintenant quand même pour répondre plus précisément à ta question. Est-ce que cette courbe globale d'émissions, on ne peut pas l'interpréter mieux si, comme pour la déforestation, on regarde un petit peu mieux les zones géographiques et les niveaux de développement? Eh bien là, je m'inscris un peu en faux contre beaucoup de gens qui disent « Regardez, cette courbe, elle augmente et les politiques climatiques n'ont aucun effet. » C'est vrai si vous regardez d'assez loin la courbe, mais si je la regarde un peu plus près, l'Europe, pic des émissions de CO2 en Europe, 1980. Et depuis 2005, baisse, entre 1980 et 2005, on n'a pas beaucoup baissé les émissions européennes, on a arrêté de les augmenter. Pourquoi ? À cause du prix du pétrole. Choc pétrolier, hein, le prix du pétrole qui est beaucoup plus cher, donc on a fait une petite substitution, on a retiré du pétrole. Le problème, c'est qu'on a mis du gaz à la place. Bon. Mais si on avait mis directement du gaz, du biogaz ou des renouvelables, on n'en serait pas là. Mais bon, depuis 2005, baisse des émissions d'Europe, un peu plus de 20%. C'est pas suffisant, mais on n'est plus sur cette logique de croissance. Deuxième choc incroyable, l'écroulement du système soviétique au début des années 90. Le pic des émissions dans tous ces pays, Russie, Ukraine, Pologne, Bulgarie, c'est 1990. Et la réorganisation de leur économie sur des bases de marché fait qu'on a des niveaux d'émissions qui sont à peu près 30 à 40% inférieurs à ceux du pic. Donc, bon. Et puis, la crise de 2009, la dernière crise avant le Covid, c'est le pic d'émissions des États-Unis. Pic d'émissions de CO2 des États-Unis, c'est 2007. Il y a eu une chute en 2009 avec la crise, il y a eu un tout petit redressement en 2010, mais les émissions américaines sont reparties. Ils ont eu une curieuse idée, nos amis américains, d'élire un président qui s'appelle Donald Trump. On peut en rire, mais on rit jaune, parce que c'est quand même pas forcément une très bonne nouvelle. Monsieur Trump a été élu sur un programme de relance du charbon. Il n'a rien pensé du tout. Des émissions de CO2 au côté. Donc, il y a des forces extérieures qui agissent et qui ont agi dans certaines zones économiques qui ont déjà commencé à faire cette transition et on a amorcé cette transition énergétique en Europe. 2020, la crise sanitaire qui part d'Asie, une crise planétaire. Tu l'as dit, la chute des émissions qu'on va connaître cette année est absolument historique. Le virus a fait, aucune politique climatique n'a réussi à faire. Je ne sais pas si on va baisser de moins 7, de moins 10, moins 12, mais on a un truc, si vous voulez, quand vous regardez la courbe, ça ne s'est jamais vu. Est-ce que ça va repartir comme avant? En Europe, il n'y a aucune chance. Regardez ce qui se passe en Europe. Les valeurs pétrolières qui s'effondrent, les compagnies pétrolières, le Green Deal, etc. Bon, on ne va pas relancer. La question en Europe, c'est est-ce qu'on baisse de 40% à l'horizon 2030 ou est-ce qu'on baisse de 50, 55%, voire même 60% comme veut le Parlement. Donc, la question, c'est le rythme de baisse. Et même ceux qui ne sont pas militants du climat, parce que s'il n'y a que les militants du climat qui font... La transition, on ne va jamais y arriver. Hein. On n'aura jamais 80% de la population qui sera militant du climat. Il ne faut pas vous faire d'illusions. Hein. Bon, donc, si on veut faire des mutations, il faut que beaucoup d'acteurs aient intérêt à le faire. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, en Europe, celui qui investit dans le charbon ou dans, dans le pétrole, il va perdre de l'argent. Il va perdre de l'argent. Les sociétés pétrolières se rendent compte que, bon, Amérique du Nord, bon, on ne sait pas trop ce qui va sortir des urnes dans 3 semaines, mais pas y avoir de relance des fossiles en Amérique du Nord. La vraie question, c'est les émergents. Oui, on va y arriver. Je vous dis juste un truc quand même. Exxon, première capitalisation boursière pendant plus de 30 ans, producteur de pétrole et gaz naturel, sorti du Dow Jones il y a 3 semaines. Hier, à la bourse de New York, une boîte totalement inconnue qui ne fait que du renouvelable,
passe devant la capitulation boursière de Exxon. C'est-à-dire que le système américain, ça y est, il a fait sa notation. Alors, qu'est-ce qui va se passer en Asie? Eh bien, la clé, justement, de la question, c'est l'Asie et les pays moins avancés. Et je traite d'abord les pays émergents, et si tu m'y autorises, j'aurai deux mots des pays moins avancés, parce que je pense que... Il faut parler des pays moins avancés aussi. Une grande partie de l'enjeu climatique de demain, ça va, ce qui va se passer en Afrique, au sud du Sahara, en Asie du Sud, etc. Bon. Alors, sur les pays émergents, en gros, l'essentiel de la question, c'est ce qui se passe, on va dire, en Chine et en Inde, pour être un peu caricatural, ce qui se passe en Corée, on a des visites importantes aussi, mais bon, c'est quand même ces deux pays-là où la chose est la plus importante. En Chine, aujourd'hui, vous avez un débat extrêmement important sur est-ce que dans le plan de relance, on autorise ou pas à refaire des centrales à charbon. C'est un débat. J'ai aucune idée, mais je sais à peu près quels sont les acteurs. Et en gros, c'est le débat, c'est le même qu'il y a chez nous. Hein. Vous avez des vieilles compagnies historiques, avec des vieux technocrates. Eux, alors là-bas, ils sont partis communistes. Bon, chez nous, c'est le camp des mines. Hein. Donc, vous avez des vieux technocrates qui veulent remettre une sauce sur les centrales à charbon, qui sont déjà en surcapacité. Et puis, vous avez des forces plus jeunes. Et il y a un effet générationnel. Sur le climat, il y a un effet générationnel qu'on va retrouver partout. Vous avez des gens plus jeunes, plus dynamiques, généralement plus proches des nouvelles technologies. Ils veulent plus de charbon, plus de gaz. Ils veulent investir massivement dans le solaire et l'éolien. La Chine est aujourd'hui de très loin le premier producteur et le premier installateur d'énergie solaire au monde. De très, très loin. Et sur l'éolien, ça ne va pas tarder. Ils ne sont pas encore... sur l'éolien, l'Europe a encore une avance à la fois industrielle et de développement, mais je peux vous assurer que si on se bouge pas un peu, ça ne va pas durer. Donc là, c'est ça le débat en Chine. Moi, je crois que les jeunes vont gagner. Je crois que les jeunes vont gagner. C'est une question de temps. Parce que les jeunes deviendront vieux, de toute façon. Mais la dynamique, elle est là. Bon. L'Inde, c'est plus compliqué. Je vous le dis tout de suite, l'Inde, c'est plus compliqué. Je ne pense pas que l'Inde va faire ça de son pic de vie. Mais je pense qu'il est tout à fait vraisemblable que le pic de pollution en Chine, le pic de démission en Chine soit atteint beaucoup plus rapidement. Et je pense que comparer la situation de la Chine en 2020 avec celle de la Chine en 2009 est une erreur totale. Car la Chine a fait pendant 11 ans tout un développement, toute une mutation de son économie, de son énergie vers des sources renouvelables, qui est incroyablement rapide. Deux mots sur les pays moins avancés. Je traiterai uniquement la question africaine. Je connais très mal les pays moins avancés en Asie, un tout petit peu le Vietnam, enfin, on ne peut pas parler de tout. Mais si vous avez des questions sur le Vietnam, je répondrai. Sur l'Afrique au sud du Sahara, deux choses. Un, les progrès en termes d'électrification en Afrique au sud du Sahara, dans l'Afrique de l'Ouest et même dans la plupart des pays d'Afrique de l'Est depuis l'indépendance, sont extraordinairement faibles. Et la reproduction du mécanisme que nous avons eu de faire un réseau centralisé avec des gros investissements lourds qui partent du centre et qui vont vers la périphérie, ça ne marche pas. Depuis qu'il y a des méthodes de production d'électricité décentralisée avec des systèmes d'investissement qui ne sont pas uniquement individuels, mais de ce qu'on appelle des mini-grids, c'est-à-dire des réseaux décentralisés qui permettent de connecter à partir d'un système de ferme solaire, des pompes, des systèmes de déménage, etc. Il y a des progrès dans l'électrification rurale depuis à peu près une dizaine d'années. Et je pense que, en réalité, si aujourd'hui il fallait imaginer qu'aujourd'hui on n'ait pas de réseau électrique, s'il faut faire un réseau électrique, vous croyez qu'on va refaire le réseau électrique qu'on a pour aller amener l'électricité, bon je ne dis pas à bois peut-être, mais au fond de la Corrèze, etc. Non, on ne va pas faire ça, on va faire des systèmes beaucoup plus décentralisés, et puis on va après mailler. On va faire des EPR en France. Comment ? On va faire des EPR en France. Non, mais c'est la provocation. Ça, c'est le mauvais côté d'alternative économique. Bon, alors, vous voyez, donc c'est ça la grande révolution. Donc moi, je pense que
Aujourd'hui, on a à la fois des techniques, des méthodes, des systèmes de développement qui vont permettre aux pays moins avancés de bypasser toutes les étapes qu'on a fait sur le fossile. Ça, ça marche très bien pour l'électricité. Pour le transport, un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué. Et la mobilité, croyez-moi, c'est vraiment une aspiration énorme quand on est dans un pays moins avancé. Moi, j'ai vécu 4 ans dans un pays en voie de développement. Quand on est planqué, claqué dans un pays, quand on est dans un endroit, il n'y a pas de moyen de communication, on n'a pas d'argent, on ne peut pas se déplacer, la mobilité, c'est bon. Je pense que l'un des trucs les plus difficiles dans les pays au sud du Sahara, c'est l'amélioration des systèmes de cuisson. Des systèmes de cuisson. Vous savez qu'aujourd'hui, la pollution atmosphérique la plus grave dans le monde, c'est la cuisson sur foyer ouvert, dans les habitats précaires, où la biomasse et une biomasse humide génère beaucoup de microparticules d'oxyde d'azote et les gens s'empoisonnent eux-mêmes. Plusieurs millions de décès par an. 3 millions d'après l'OMS. Oui, c'est ça. Donc c'est de très loin, on meurt beaucoup plus de ça que de charbon ou de diesel. Vous voyez, bon. Donc l'amélioration des systèmes de cuisson, c'est une priorité sanitaire, éthique aussi, mais c'est aussi une priorité de développement. Parce que derrière les systèmes de cuisson traditionnels, vous avez tout le temps que passent principalement les femmes et les enfants à aller chercher de la biomasse, et pendant ce temps-là, on ne va pas à l'école et on ne fait pas de travail productif. Vous voyez, bon. Donc c'est un levier majeur. Jusqu'à présent, et là l'histoire est importante, jusqu'à présent, les pays qui sont sortis rapidement de ces systèmes de cuisson traditionnels, à peu près tous, ils ont mis des fossiles. Ils ont mis des bouteilles de gaz. Et vous le voyez, et les pays qui n'ont pas fait ça, eh bien, ils gardent les idées. Et la transition là vers des systèmes qui bypassent le fossile est plus difficile à faire. Donc vous voyez, je pense que, moi je n'ai pas une vision uniforme en me disant, voilà, c'est compliqué, mais je vois beaucoup de raisons pour que, en tout cas, le développement de l'accès à l'électricité, qui est là, le premier maillon du développement, vous savez, Lénine disait, le socialisme, c'est les soviets plus de l'électricité, le développement, c'est effectivement, si possible, un pouvoir à peu près cohérent, plus l'électricité, ça, on ne va pas repasser par les fossiles, donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour l'avenir du climat. Merci Christian, tu m'as peut-être convaincu que je regardais mal la courbe mondiale des émissions de CO2. C'est parce que tu es mal joué. Je regardais l'histoire avec les mauvaises lunettes et qu'il faut au contraire regarder la courbe de manière beaucoup plus détaillée. Effectivement, le pic de l'Europe avant celui des États-Unis et peut-être aujourd'hui celui de la Chine et que peut-être que finalement on a atteint le pic des émissions mondiales. Bonne nouvelle. La mauvaise étant effectivement toute la casse sociale derrière le Covid, mais bon, on en parle. Mais bon, d'accord, je suis convaincu sur ce point-là, je me suis trompé, mais par contre, là où peut-être on t'attend au tournant, c'est que si on veut avoir un monde soutenable, le GIEC nous dit qu'il faut rester en dessous de 1 degré, être à 1,5 degré, surtout pas dépasser les 2 degrés. Le GIEC nous dit 1,5 degré à la fin du siècle, maintenir le réchauffement à ce niveau-là, ça veut dire baisser les émissions de à peu près 7% tous les ans, et pas simplement une année avec le Covid, c'est-à-dire c'est l'équivalent d'un effet Covid tous les ans qu'il faudrait réaliser jusqu'à la moitié du ce siècle, voire au-delà, est-ce que c'est possible économiquement, socialement et technologiquement? Parce que là, bon, c'est sympa, si on arrive au pic, on peut continuer avec un plateau, et c'est insoutenable. Bien sûr. Alors, je voudrais juste un tout petit peu modifier la formulation. Le GIEC n'a fixé aucun objectif en matière de réduction de la température. Hein. Vous avez juste dit que 1,5 degré, voilà, c'est à peu près ce qui rendait. Ce qui, enfin, il y avait le rapport du GIEC, le rapport 1,5 degré, si tu veux, il explique la différence entre un monde à 2 degrés et entre un monde à 1,5 degré. Et ce qui est très important, c'est que d'une certaine façon, l'accord de Paris
fixe un objectif de réduction des émissions de 2 degrés et si possible nettement moindre. Et dans un peu le débat politique, ça, au bout d'un moment, c'est devenu l'objectif 2 degrés, comme si 2 degrés, un réchauffement de 2 degrés était un objectif. Et le rapport du GIEC a dit, attention, un monde à 1,5 degré et un monde à 2 degrés, c'est pas pareil. Et on voit que les impacts du réchauffement climatique, un écart de 0,5 degré, c'est considérable. Et je voudrais dire une chose très simple qui est parfois est mal comprise. Quand on parle d'écart de température, si on ne fait pas attention, vous et moi, on a en tête la variation de la température à court terme. Et vous voyez bien que si aujourd'hui il fait 2 degrés de plus qu'avant-hier, ce n'est pas un drame. Hein. Et si demain on a 0,5 degrés de plus qu'aujourd'hui, on ne va pas s'en rendre compte. Mais bon, donc souvent, on sous-estime l'incroyable différence qu'il y a entre des variations de température à court terme et puis des variations du climat à long terme. Et donc ce que nous dit le GIEC, c'est que 0,5 degrés, c'est beaucoup de différence. Et que ça continue, 2,5 degrés, c'est très différent de 3 degrés. Donc ça c'est un point clair. En ordre de grandeur, aujourd'hui, le réchauffement climatique est déjà de l'ordre de 1 à 1,1 degré. Le réchauffement climatique n'est pas homogène hein, sur les différentes parties du monde. Donc, il est déjà à 1,5 degré sur les parties continentales. Là, donc, on est déjà... Ça veut dire qu'on a très peu de temps. On a très peu de temps. Est-ce que on peut arriver à maintenir à 1,5 degré ou 2 degrés? Moi, je n'ai aucune opinion sur la question. Si quelqu'un dans la salle sait quelle température moyenne nous connaîtrons en 2100, qu'il lève la main et qu'il nous explique comment est-ce qu'il peut savoir ça. Ce que je sais, c'est que pour limiter les risques d'un réchauffement trop important, il faut incroyablement accélérer les transitions. Ça, je le sais. Et pour accélérer incroyablement les transitions, il y a deux leviers principaux, la baisse des émissions qui sont liées à l'énergie, et puis l'amélioration de la capacité des puits de carbone à absorber et stocker le CO2 qui est dans l'atmosphère, et ça concerne beaucoup l'agriculture, la forêt, la biodiversité. Je pense que le Covid nous a obligés à court terme, vous et moi, mais des milliards d'habitants sur la planète, au même moment, à réagir à ce choc incroyable dans des façons assez comparables. C'est quoi les ajustements? Voilà, parce qu'à court terme, évidemment, on a fait déjà des ajustements sur la mobilité. On a fait des ajustements sur la mobilité parce qu'on n'a pas eu le choix. Mais je pense qu'en faisant ces ajustements sur la mobilité, on a testé, par exemple, des nouvelles formes d'organisation du travail, de télétravail. On a accéléré la numérisation de l'économie. Je ne pense pas qu'on va revenir en arrière totalement. Il y a une accélération de la numérisation de l'économie qui fait que ça va accélérer des formes d'organisation qui peuvent accélérer la transition énergétique. Parce que quand vous faites du télétravail, vous substituez de la transmission d'informations à de la transmission du transport de personnes. Et donc, vous émettez moins de CO2. Et puis, si vous décarbonez l'électricité, vous n'émettez plus de CO2 en faisant bouger de l'information à la place des hommes. Ça, c'est un premier levier majeur qui, je pense, va accélérer la transition. Un deuxième levier très important, c'est la forme de la mondialisation qu'on a connue. Quand on se rend compte en France qu'en pleine épidémie, on n'est plus capable de produire du paracétamol ou des masques, à cause des chaînes de valeur internationales, ça fait un choc. Et ça fait un choc partout, pas qu'en France. C'est un choc dans tous les... Et donc, on va, je pense, avoir des forces très importantes, non pas pour démondialiser, hein. on ne va pas faire du protectionnisme tous azimuts, de toute façon, le coût d'un protectionnisme tous azimuts serait incroyable. Hein. Bon, je n'ai pas mon portable là, mais vous voyez bien qu'on ne va pas fabriquer demain mon portable dans une ville... À Blois, non, c'est pas vrai, faut pas se. Mais je pense qu'on va effectivement remondialiser, en ce sens qu'on va réduire cette hyper spécialisation internationale et cette dépendance internationale. Et ça va
réduire les émissions parce qu'on va relocaliser un certain nombre de choses, on va donner plus de valeur à la proximité et plus de valeur à la résilience et moins de valeur à l'international. Ça, c'est un facteur important. Vous voyez, bon. Dernier facteur important sur la mobilité des personnes, vous croyez qu'on va bientôt remettre tous ces gens dans les paquebots géants qui ont véhiculé le Covid partout? Vous croyez qu'on ne va pas se poser la question pourquoi est-ce que le virus il s'est disséminé incroyablement rapidement en suivant les lignes aériennes? Il faut réfléchir quand même. Donc je crois que dans les réactions qu'on a eues à court terme, vous avez des éléments de changement de structure, soit de nos comportements, soit de nos visions, soit de nos organisations. Donc je pense que c'est un vecteur d'accélération. Alors des fois, pas toi, mais des gens moins bien intentionnés que toi me disent « Mais alors tu te réjouis du Covid ?» Je ne me réjouis pas du tout du Covid, évidemment. Vous voyez ? Mais il y a un vieux proverbe qui dit, vieux proverbe français qui dit, un mal pour un bien. Donc, et l'histoire, parce que on est quand même un truc d'histoire ici. Hein. Bon. L'histoire, elle nous montre plein de situations où des mots absolus, par exemple des guerres, des famines, ont généré des progrès en réaction à ces mots. Et moi, je pense, parce que je suis un mec peut-être un peu optimiste, je pense que le Covid, ça va être effectivement pour l'action climatique, un mal pour un bien. Il y a un dernier point que je n'ai pas cité, j'ai le droit encore de parler un peu ou pas, parce que... D'accord. Le dernier élément, alors ça va passer vite, hein. Ça va passer vite, et évidemment, pour aller plus vite, il faut que vous écoutiez, pour une fois, les économistes, hein, ceux qui sont à peu près cohérents. Pour aller plus vite, il y a un excellent moyen. Renchérir le coût d'usage des fossiles et donc taxer le CO2. Vous voyez ? Parce que, comme il faut faire la transition par substitution, pour sortir les fossiles, la meilleure façon de notre système économique de sortir les fossiles, c'est d'augmenter tout le coût d'utilisation des fossiles, donc il faut taxer le CO2. Je vous donne un exemple concret. Hein. Là, on parle du plan hydrogène en ce moment. Même Alter Eco a fait un bon papier sur le plan hydrogène. Bon. Oui, c'est vrai. Alors, c'est quoi le premier problème de l'hydrogène? C'est de produire de l'hydrogène vert. Aujourd'hui, sur 60 millions de tonnes d'hydrogène qu'on produit chaque année, vous en avez 97% qui sont produits à partir de l'énergie fossile. C'est pas comme ça que vous allez décarboner le système. Oui, bon. Donc, quel est le problème? Produire de l'hydrogène vert, produire 1 kg d'hydrogène à partir des fossiles, ça coûte à peu près 1,50 €. Produire 1 kg d'hydrogène vert, ça coûte à peu près entre 3 et 4 ou 5 euros, suivant la technologie que vous utilisez. Vous mettez un prix du CO2 à 100 € la tonne, vous rentabilisez l'hydrogène vert. Donc vous voyez, ça accélère. Il y a un dernier point que je voulais dire, quand même, si tu m'y autorises, sur les leviers du Covid et l'impact du Covid sur nos représentations. Ça ne concerne pas l'énergie, ça concerne le vivant. J'ai vu que, je crois, dimanche ou samedi, ici, il y a tout un truc qui est organisé par le Muséum d'Histoire Naturelle. Moi, je travaille de plus en plus avec les chercheurs du Muséum d'Histoire Naturelle sur les questions climatiques pour la partie carbone vivant. Voyez. Et donc, sur le Covid, j'ai quand même bien écouté ce que me disent les gens du Muséum d'Histoire Naturelle et les gens qui font de l'économie de la santé. On a, en Occident, fait la révolution pasteurienne et on a vaincu les maladies, les maladies épidémiques, hein, il y a un mot que je t'aime, hein, grâce au vaccin, la révolution pasteurienne. Et nous, Occidentaux, on pense qu'on avait vaincu toutes ces maladies épidémiques, pas ni les Asiatiques ni les Africains, c'est pour ça qu'ils gèrent mieux la crise que nous. Ils ont mis des masques bien avant nous. Bon. Toutes les épidémies ou pandémies qui frappe les sociétés humaines depuis la Seconde Guerre mondiale, viennent du monde animal. Le sida, il vient du monde animal. Hein. Ebola, ça vient du monde animal. Les grippes aviaires, ça vient du monde animal. Le Covid-19, il vient du monde animal. Le SRAS, il n'est plus du monde animal. Le MERS, dont on ne parle pas, parce qu'il touche uniquement les populations au Proche-Orient, mais c'est un coronavirus très dangereux pour les populations du Proche-Orient, il vient du monde animal. Et pourquoi est-ce qu'on a cette transmission croissante des virus depuis le monde animal vers le monde humain, ce franchissement de la barrière interespèce, parce que nous traitons mal la nature. Et parce que
notre mode de développement, notre mode d'organisation détruit un certain nombre d'écosystèmes, notamment d'écosystèmes sauvages, dans lesquels circulent ces virus, car nous avons besoin que ces virus circulent. Et du coup, ce rapprochement de nos sociétés humaines vers ces écosystèmes sauvages fait que la probabilité de transmission des virus est de plus en plus forte. Fait aggravant, on fait du commerce avec des espèces sauvages, pangolins, la loutre sauvage, etc., la loutre de mer. Donc, vous voyez que derrière la question de cette répétition, de ce risque sanitaire croissant, se pose aussi la question de comment est-ce qu'on gère la biodiversité, comment est-ce qu'on gère cette diversité des écosystèmes. Et ça, c'est très important pour le changement climatique, parce que chaque fois qu'on détruit de la biodiversité, on affecte la capacité du système naturel à absorber et stocker du CO2 de l'atmosphère. Et donc, si on réinvestit correctement dans cette biodiversité, on fait un investissement pro-climat parce qu'on va améliorer la capacité d'absorption du CO2, donc ce qui retire le CO2 de l'atmosphère. Tu parles à juste titre d'investissement, effectivement, parce que tout ne peut pas reposer sur les changements de comportement individuel. Effectivement, le Covid nous amène à revoir nos fonctionnements, notre organisation du travail, notre mobilité, etc. Mais je ne peux rien faire au fait que l'électricité soit pour partie carbonée, donc en sortir. Je ne peux rien faire au fait qu'il y ait des véhicules thermiques en circulation, etc., même si je les utilise moi-même. Tu as parlé de... Dans les réponses que tu as évoquées, c'est la taxation. Il faut mettre 100 euros sur la tonne, on fait ça comme ça, on ne l'a jamais vu. Si, on l'a vu en Suède. En Suède, il y a une taxe carbone qui est très exactement de 126 euros la tonne de CO2 à peu près au taux de change actuel. Bon. Bien évidemment, ça va être très difficile de faire les transitions qu'on va faire. Ça va être à la fois très stimulant et très passionnant, parce que ça fait du sens de faire ces transformations-là. Bon, moi, je veux dire, j'ai jamais été aussi heureux dans mon travail que depuis que je fais de l'économie du climat, parce que ça a un sens. Tout. Avant, j'ai fait par exemple des travaux extrêmement pointus sur la taille critique de l'asset management ou la formation du prix sur un marché en information imparfaite. Bon, c'est vachement stimulant intellectuellement, mais c'est pas pareil. Donc, je pense qu'il y a quand même une question de sens et de motivation qui fait que moi, j'ai une certaine forme de qui vient du phénomène générationnel. Je pense qu'il y a un phénomène générationnel très important. Chez nous, pas que chez nous, y compris dans les pays. Moi, j'étais au Vietnam, j'étais très frappé par ce phénomène générationnel. Alors, c'est pas que les jeunes ne m'agacent pas. Quand j'entends des jeunes qui disent qu'on n'a jamais rien fait sur le climat, je suis furieux, si vous voulez, parce que moi, ça fait 15 ans que je m'investis là-dedans. Mais ce phénomène générationnel, il est très important. Ça, c'est un levier de progrès. Pour moi, sur le plan économique, et de plus en plus, je pense que la question la plus compliquée est la suivante. Il va falloir transformer. Vous voyez, il faut transformer le système énergétique. Il ne s'agit pas d'ajouter, comme j'ai dit, des fossiles, mais il faut transformer. Et donc, la transition, on appelle ça transition énergétique, en réalité, il faudrait une transformation. Il y a un peu de volets. Il y a un volet investissement. Si vous voulez faire de l'hydrogène vert, il faut investir dans des catalyseurs et dans de l'énergie renouvelable. Qui voudrait mettre du nucléaire, mais moi je préfère mettre de l'énergie renouvelable. Bon, ça, c'est un coût d'investissement. C'est plus d'un milliard. Bon, alors le plan hydrogène européen, il est à peu près de 9 milliards. Bon, en France, on a 2 milliards. Bon, on va voir, pour moi, c'est pas assez. Bon, il faudra en mettre un peu plus. Bon. Et notre système économique, c'est parfaitement investir quand il y a besoin. Une chaîne de production, transformation et de livraison de gaz naturel d'Australie vers le Japon, comme le Japon garantit le prix, ça se finance très facilement, ça coûte 50 milliards de dollars. Aucun problème. Parce que les prix, donc, pour investir dans les renouvelables ou dans la transition énergétique, bon, si vous mettez les bons prix, vous êtes, les capitalistes ont laissé là-dedans. Ils ont déjà commencé parce que la baisse des coûts sur les renouvelables fait que ça devient compétitif par rapport aux fossiles et par rapport au nucléaire. Les capitalistes n'investissent pas dans le nucléaire, ils investissent de moins en moins dans les fossiles, ils investissent dans le renouvelable. C'est
C'est comme ça. Voilà. Ça, le système sait faire. Ce qu'il ne sait pas faire, c'est désinvestir. Le système est incapable de désinvestir. Or, la transition énergétique, ça va consister à désinvestir massivement. Si demain, vous n'avez plus que des véhicules électriques, ce qui va se produire, on ne sait pas si c'est à 10 ans ou à 20 ans, c'est ce qui va se passer, il va falloir désinvestir des moteurs thermiques. Qu'est-ce qu'on fait des usines des moteurs thermiques? Qu'est-ce qu'on fait des ouvriers qui sont dedans? Et faire un gravant, pour produire un véhicule électrique, il faut à peu près deux fois moins d'ouvriers que pour produire un véhicule thermique. Oui, donc c'est comme ça partout. Hein, et c'est pour ça que on sent quand même maintenant un certain tremblement d'un certain nombre d'entreprises qui sont dans les fossiles. Même la finance s'y met. La finance n'a jamais rien fait pour financer la transition énergétique. Hein. Aujourd'hui, ils commencent à se dire, ah, faudrait peut-être devenir vert. Pourquoi? Parce qu'ils sont brusquement convaincus qu'il faut sauver la planète. Non, parce qu'ils ont peur de perdre sur les actifs qui sont investis sur le fossile. Donc c'est ça la grosse difficulté. Et là, le coût de la transformation, c'est un coût de désinvestissement, c'est un coût de reconversion. Parce qu'il faut reconvertir les actifs physiques, il faut reconvertir les infrastructures, mais il faut évidemment investir, reconvertir le capital humain. Vous voyez bien que ce n'est pas les mêmes compétences qu'il faut hein, pour faire tourner une usine nucléaire ou, qui marche à fossiles. Avec des parcs éoliens, etc. Bon. Et donc, tout ce coût de transformation, de désinvestissement, ça, le système capitaliste, il ne sait pas faire. Il a besoin d'être régulé, il a besoin d'être poussé aux fesses. Et là, je pense que les questions d'équité et de justice sont très importantes. Et ce coût, on le finance comment? On le finance par la dette? C'est ce qu'on a l'air de faire aujourd'hui. Est-ce qu'il faut essayer de le financer par revenir sur la fiscalité aujourd'hui, c'est plus du tout dans le débat politique. Si on veut prendre un peu de... Si on veut faire les choses bien, il pourrait mieux qu'on fasse ces choses bien, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Évidemment, on va pas accélérer la transition énergétique si on n'agit pas sur la fiscalité. C'est évident. Alors, on est un peu bloqué pour ça en France, on est quand même moins bloqué au niveau européen. En ce moment, il se passe des choses au niveau européen. Et moi, ce que j'essaye de faire maintenant, j'ai commencé à travailler beaucoup sur les questions climatiques au début, sur des trucs, le prix du quota de CO2 sur le marché, le niveau de la taxe optimale, des trucs comme ça. Bon. Après, j'ai fait de plus en plus les questions de tarification avec les questions de distribution, vous voyez. Parce que je me suis rendu compte, j'étais amené quand même à intervenir dans des situations réelles, hein, pas uniquement sur écrire des bouquins. Donc, notamment sur le comité fiscalité écologique, je me suis rendu compte que la question de la distribution est très importante. Et la question de la distribution, c'est qui paye, qui gagne la transition. Parce que si vous voulez que la transition soit large, il faut quand même qu'il y ait des gens qui gagnent. Et donc je pense qu'on faire les choses bien. On va faire les choses avec une combinaison de deux types d'instruments possibles. Bon. Des instruments réglementaires, il va en falloir. Et si on n'utilise que des instruments réglementaires, ça va coûter beaucoup plus cher. Et en plus, on va avoir des normes de partout. Hein. Ça, il faut s'y attendre. Hein. Et puis des normes, si on veut vraiment qu'elles soient au rythme, peut-être pas de 1,5 mais de 2 degrés, il va falloir en mettre de plus en plus. Donc, y a des gens qui appellent même ça un peu la dictature écologique. Hein, on met des normes. Il faut des normes, hein, mais si on fait que des normes... Donc je pense qu'il faut coupler des normes avec des instruments économiques et la réforme fiscale est très importante et pour moi, elle a deux composantes. Il faut mettre en place des taxes ou des mécanismes de financement public sur, par exemple, le stade de la biodiversité. Il n'y a pas que des taxes, il peut y avoir aussi la tarification positive hein, qui finance des services verts. Mais il faut des prix élevés. Or, en général... Si je vous demande est-ce que vous préférez un taux d'impôt sur le revenu à 10% ou à 50% ou à 80%, je pense que les personnes qui répondront 80% seront assez minoritaires. Il y a toujours quelques masochistes dans la salle, mais enfin, en général, il n'y en a pas, je ne sais pas comment vous êtes, on va dire 200. Bon. Alors, il faut du courage politique. Il faut du courage politique. Mais il ne faut pas que du courage politique, parce que si vous avez du courage politique, mais que vous ne regardez pas les effets sociaux, vous allez comprendre des effets de retour énormes dans la figure. Donc il faut faire de la redistribution.
C'est vrai au plan d'un pays comme la France. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais si vous êtes intéressé par la question, je pourrais vous donner les taux qu'il faut faire. Moi, je pense qu'il faudrait coupler une réforme fiscale qui a un volet environnemental, je taxe la pollution, je taxe les maux, et un volet redistributif, c'est-à-dire j'agis sur l'impôt sur le revenu, voire je coupe un impôt sur le revenu avec l'impôt sur le capital. L'impôt sur le capital, c'est un peu compliqué, mon Piketty pense que c'est bien. Je ne suis pas très expert en la matière, donc je préfère pas. Mais l'impôt sur le revenu, ça, je saurais comment faire. Donc, voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire à l'intérieur des pays. Au niveau international, c'est pareil. On fait croire souvent que ce seraient les pays en voie de développement ou les pays émergents qui ne veulent pas faire la transition et que nous, on serait prêts. Pas du tout. Si vous mettez une taxe carbone mondiale, disons, on produit à peu près 50 gigatonnes par an, donc mettez une taxe carbone mondiale de 20 dollars, 20 euros, on parlait de notre modèle, 20 euros la tonne, 20 fois 50, vous faites 1000 milliards d'euros. Bon. Si vous redistribuez ces 1000 milliards d'euros per capita, le premier bénéficiaire au monde, c'est l'Inde. Il sera d'accord. Ensuite, vous avez des pays moins nombreux. Puis nous, on va payer. Hein. Parce que per capita, on émet beaucoup plus. Qu'est-ce qu'il veut pas, ce système-là ? C'est pas les pauvres, c'est nous. Vous voyez ? Donc, la question de la redistribution, elle se pose à l'intérieur des pays, mais c'est la même question qui se pose au niveau international. Et c'est pour ça qu'il y a un blocage au niveau international. C'est parce que c'est le jeu de qui perd, qui gagne. Puis il y a un truc encore plus compliqué, j'arrête après, parce qu'il faut quand même qu'on donne la parole à la salle un peu. Hein. Je sais pas, enfin, c'est toi qui l'anime, hein, pas moi. Mais après, il y a un autre point quand même qui est hyper compliqué. C'est qu'il y a des gens qui ont des fossiles, il y a des gens qui n'ont pas de fossiles. Alors, quand on dit ça, en général, les gens pensent tout de suite à l'Arabie Saoudite, le Proche-Orient, etc. Bon, ouais. C'est une part du problème. Moi, j'ai vécu 4 ans dans un pays qui est producteur, exportateur d'énergie fossile, l'Algérie. Bon, je n'ai pas travaillé dans les fossiles, moi j'ai travaillé dans l'agriculture. Je peux vous dire que quand on reconvertit une rente pétrolière dans le secteur agricole, ça peut faire du dégât. Bon. Mais première réserve mondiale de charbon, les États-Unis. Premier, vous voyez, donc, vous avez des pays, vous avez une géopolitique de la transition énergétique qui fait que vous avez des gros perdants qui sont ceux qui ont des fossiles. Donc là, c'est un problème assez difficile, vous voyez, parce que pour convaincre des pays qui ont d'énormes ressources solaires au Proche-Orient qu'il faut accélérer la sortie des fossiles, ils sont convaincus maintenant. Moi, j'ai fait parce que moi, l'accord de Paris, ils m'ont envoyé dans des coins vachement sympas pour faire des exposés. Hein, j'ai fait les Émirats Arabes Unis, Dubaï, et la Hongrie, tu vois, pour expliquer l'accord de Paris, c'était vraiment sympa, j'ai dit, merci, je vous ai dansé. Donc, moi, j'ai expliqué ce truc-là au fonds souverain de Dubaï. Les gens du fonds souverain de Dubaï m'ont dit, monsieur Dupuy, évidemment, vous avez raison, mais ce que vous nous dites, nous, on va le faire en 50 ans. Parce qu'aujourd'hui, 98, même 99% de notre économie, elle repose sur l'utilisation du pétrole et du gaz. Et grâce à ça, on augmente le niveau de vie. C'est ça le truc. Donc, ils ne sont pas idiots, les gars. Ils commencent à investir aussi. Donc, c'est la question du vie. Donc, il faut accélérer partout. Et là, c'est vrai que je pense que le Covid va accélérer parce que ça va bousculer les organisations, ça va faire réfléchir. Mais est-ce que ça va être suffisant? Bon, c'est rien. Moi, économiste, j'ai pas de boule de cristal. S'il nous reste 5 minutes, peut-être que je t'interrogerai sur la faisabilité politique d'une taxe mondiale et d'une redistribution. Je suis complètement d'accord sur la philosophie. Quand je vois la difficulté qu'on a à faire quelque chose en France, je me pose des questions sur la possibilité de le faire et au niveau européen et a fortiori au niveau mondial. Mais bon, je te pose pas la question parce qu'il nous reste quelques minutes. Et peut-être que certains d'entre vous ont envie de réagir, de poser des questions par rapport à ce que Christian nous a dit. Oui, madame qui levait le doigt, allez-y, parlez, pouvez vous lever peut-être pour qu'on vous entende bien, parce qu'il n'y a pas de micro malheureusement. Je vais essayer de parler assez fort. On vous entend. Sur les énergies fossiles.
vous oubliez que les ordinateurs, ils fonctionnent aussi avec de l'énergie électrique fossile, et que pour conserver dans les data centers, c'est énormément d'énergie qu'il faut. Est-ce que le télétravail va réellement compenser la mobilité de transport? Merci pour cette excellente question. Alors, je vois que le télétravail n'a pas que des supporters. Vous avez évidemment raison. Le télétravail, comme tous les systèmes numériques, consomme de l'électricité. Les chiffres sont les suivants. L'ensemble des systèmes numériques dans le monde consomment à peu près 11% de l'électricité mondiale. Vous avez un tiers au niveau des serveurs, un tiers au niveau des réseaux, un tiers au niveau des installations finales, des ordinateurs. Jusqu'à présent, les opérateurs comme les utilisateurs n'ont jamais regardé l'empreinte carbone de leurs émissions, et donc il y a un gaspillage incroyable sur ces réseaux, à tel point que pendant la crise du Covid, on a été obligé de faire des ralentissements de la circulation, non pas du virus, mais des informations pour éviter de perpéter de saturer les réseaux. Si je convertis ça en émissions de CO2, ça veut dire que la transmission d'informations sur les réseaux numériques représente aujourd'hui à peu près 3,5% des émissions mondiales de CO2. Le transport, y compris les transports internationaux, ça représente 20%. Donc, quand vous, en ordre de grandeur aujourd'hui, lorsque vous basculez de la mobilité des personnes, lorsque vous remplacez de la mobilité des personnes par de la mobilité de l'information, vous économisez du CO2, même si vous tenez compte des émissions additionnelles des systèmes numériques. En prospective, tous les grands opérateurs, maintenant GAFA, ont compris qu'il fallait qu'ils se mettent au contrôle de Black, parce que ne serait-ce que comme ils ont les moyens, etc. C'est plus facile techniquement de décarboner l'électricité que de décarboner le secteur des transports. Donc, le secteur de la production électrique sera décarboné plus vite que le secteur des transports. Donc je pense que la question que vous posez est très pertinente, mais qu'à la fois en ordre de grandeur aujourd'hui et encore plus en prospective, la numérisation de l'économie va apporter des bénéfices sur le climat. Mais ce ne sont que des bénéfices sur le climat. Je ne dis pas qu'il faut généraliser le télétravail. Personnellement, dans mon travail, je vais un exemple très concret. Je suis professeur à Dauphine sur le master d'énergie finance carbone. J'ai fait mon premier cours il y a une semaine en live, en présentiel, comme on dit maintenant. Puis hier, j'ai pu faire mon cours en télétravail. Je préfère évidemment faire mon cours. Mais... Par contre, dans mon travail, ce que je vois, c'est que dans la recherche et dans l'enseignement supérieur, on a pris l'habitude de faire des conférences internationales partout dans le monde, en permanence. Ben, je vous dis non. On a parfaitement les moyens aujourd'hui de limiter très fortement l'empreinte carbone des chercheurs, y compris des chercheurs des codes du climat. Donc je pense que après, c'est aussi une question d'équilibre, vous voyez. Et merci de poser cette question, c'est une bonne question. Je crois qu'il y avait une personne à moi, monsieur. Désolé, j'essaie de vous amener la parole jusqu'à vous, mais on va peut-être y arriver quand même. Il préfère les hommes. J'étais séduit par l'idée de 100 euros la tonne d'enchérissement de la tonne de CO2. C'est vraiment un élément important, mais comment faire pour enchérir? Est-ce que vous nous suivriez sur l'idée de quotas individuels qu'on réduit d'année en année avec la même descente que ce que demande le GIEC? Et peut-être madame aussi. Vous avez parlé de la nécessité de substituer aux énergies fossiles d'autres énergies. Mais est-ce qu'on ne va pas buter sur les ressources, notamment en termes de, par exemple, de terres rares, de métaux rares? Je pense à la voiture électrique. Voilà. Donc, est-ce que finalement, la substitution, c'est suffisant? Et est-ce qu'on ne doit pas passer à un mode décroissant? Est-ce qu'on peut buter sur les ressources, sur la décroissance et la question des quotas? Merci beaucoup de vos deux questions. On a combien de temps? Parce que là, on n'a pas. Ce seront les dernières, malheureusement. Les dernières questions. On a le droit de se prendre un peu plus de... Normalement, on devrait arrêter. On a commencé un peu en retard. Alors, sur les quotas individuels, comment dire?
c'est beaucoup plus vicieux et beaucoup plus compliqué en pratique qu'en théorie. Si je fais abstraction des difficultés un peu pratico-pratiques, hein, il y aurait deux bons systèmes pour mettre les quotas. Soit les mettre totalement à l'amont, soit les mettre totalement à l'aval. Totalement à l'aval, ça voudrait dire que vous et moi, on aurait un quota en début d'année. Et les mettre totalement à l'amont, ça voudrait dire qu'on mettrait les quotas sur les puits de pétrole et sur les mines de charbon et sur les gisements de gaz naturel. Et donc, je peux, bon, je ne vais pas le faire parce qu'on n'est pas là à la fac, mais je peux vous faire une magnifique modélisation de ce truc en vous montrant que les deux systèmes optimaux, ce serait soit totalement à l'aval, soit totalement à l'amont. Le monde est mal fait. Le monde est très mal fait. Parce qu'il n'est pas conforme au modèle théorique des économistes. C'est dommage. Hein, bon. Donc c'est heureux, bah c'est mieux. Parce que c'est vrai que ça serait horrible si on avait le monde des économistes, c'est un monde horrible, hein, parce que c'est un monde de pur égoïsme. Alors, totalement à l'amont, celui qui est capable de distribuer des quotas entre tous les producteurs et toutes les réserves fossiles au monde qui se présentent, hein, je l'amènerai demain avec moi un petit avis, il va voir le problème. Ça pose un problème évident, direct, hein, de négociation directe sur les gens qui ont des fossiles et pas. Je ne désespère pas qu'un jour on fasse des progrès en la matière. Totalement à l'aval, le problème, c'est que, en dehors des problèmes de fraude qui sont loin d'être négligeables, hein, moi j'ai été échaudé sur le système d'échange de quotas de CO2 en Europe, que 4 ans après le démarrage, il y avait des fraudes abominables. Il faudrait qu'on ait un système de métriques fiables de connaissance de nos empreintes carbone des uns et des autres. Derrière ça, une comptabilité carbone de toutes les entreprises partout dans le monde. On est très loin. C'est la question qui s'est posée, hein, quand on a commencé les discussions sur la taxe carbone en France. Hein, avant de m'occuper de la taxe carbone dans le comité fiscal écologique, j'étais rapporteur du Michel Rocard quand on avait la contribution climat-énergie en 2008 ou 2019. Bon. La première réunion, je me souviens, il y avait une discussion, donc il y avait les gens de la Fondation Nicolas-Hulot qui disaient qu'il faut faire une taxe au carbone ajouté. C'est une taxe qui serait l'équivalent d'un quota, simplement on ferait sur le prix, pas sur le quota. Le problème, c'est que si on avait une base fiscale, on ne pourrait le faire, on n'a pas de base fiscale. Quoi. Donc je pense que c'est une vraie difficulté. Parfois, les solutions les plus simples dans les bouquins ne sont pas faciles. Madame, votre question sur les renouvelables est une très bonne question qui montre combien mon exposé a été trop caricatural, je m'en excuse. Mais c'est aussi parce qu'on m'a dit qu'on n'avait qu'une heure, hein, donc on ne peut pas dire tout en une heure, hein, donc j'ai aussi des circonstances atténuantes. En gros, il y a trois leviers à la transition énergétique. La substitution énergétique, l'efficacité énergétique, la sobriété énergétique. Sobriété énergétique, pardon. Quand on part dans le masque, au bout d'un moment, ça... Alors, substitution énergétique, j'en ai parlé. Là, je pense qu'il y a une accélération évidente. Une accélération évidente qui est portée par des facteurs économiques très importants. Et ce sont des facteurs économiques. Souvent on dit que c'est les progrès technologiques, l'innovation. Hein, toutes les composantes, toutes les briques technologiques de l'éolien sont pratiquement opérationnelles dès 1950. Le premier panneau photovoltaïque qui est mis sur un toit d'immeuble, Manhattan, 1884. Vous voyez, ce n'est pas des technologies... Ce qui change, c'est l'échelle et donc baisse des prix. Donc là c'est... Et notre système économique, sur accélérer le développement de ces nouveaux procédés, il n'est pas mauvais quand même. Voyez, efficacité énergétique, là, l'exemple que madame disait sur les réseaux informatiques, c'est incroyable la perte, le gaspillage énergétique qu'il y a dans ces réseaux. Et on en est tous un peu responsables. Hein, il n'y a pas que les gros au-dessus de nous, nous on gaspille aussi, hein, parce qu'on devient des obsédés du smartphone. Bon. Alors, puis surtout les vidéos. Les vidéos, maintenant, quand vous faites des cours à Dauphine, si vous n'arrêtez pas, les étudiants, au bout d'un moment, ils sont sur des vidéos, et franchement. Alors, l'efficacité, c'est vachement important, mais l'efficacité, elle a un effet très vicieux.
c'est que plus vous êtes efficace dans l'énergie, plus vous allez faire baisser les prix, plus vous allez avoir un effet rebond. Sobriété. Sobriété, là, c'est vraiment, je pense, la chose la plus compliquée, parce que notre système économique ne sait pas ce que c'est que la sobriété. Notre système économique, c'est un système de surconsommation. Ce qu'on apprend à nos filles ou dans les écoles de commerce, et je n'ai aucune agressivité en disant ça à nos étudiants, c'est comment est-ce qu'on ouvre les marchés? Comment est-ce qu'on élargit les marchés? Soit vous faites de la différenciation sur la qualité, soit vous avez des produits indifférenciés, l'énergie c'est un produit indifférencié, vous cassez les prix pour augmenter le marché. C'est comme ça. C'est bon. Donc ça, la sobriété, c'est très important. Il y a une partie de la sobriété qui peut être choisie. Bon, mais on choisit plutôt mieux la sobriété quand on a un certain âge et qu'on a déjà bien consommé avant. Hein, vous voyez quand on est soit, mais c'est vrai, c'est rien. Hein, bon. Moi, je peux vous raconter que je suis sobre. Bon, mais bon, j'ai fait beaucoup de péchés dans ma jeunesse. Hein, je ne voudrais pas les dire. Alors, mais vous voyez ce que je veux dire hein. Donc, la sobriété, il y a une partie choisie, mais je pense qu'il va y avoir une partie collective qui va falloir travailler. Et la sobriété, ce n'est pas des choses faciles. Je donne deux exemples. Et j'arrête après. J'arrête. Je vois deux exemples. Non, je crois qu'on va aller malheureusement. Un exemple. Allez, sois sobre dans tes exemples. Allez, il nous reste une minute. Le logement. Quel est le premier facteur d'augmentation des émissions de CO2 du logement en France depuis 40 ans? L'augmentation du nombre de mètres carrés par habitant. Si on veut faire de la sobriété dans le logement, eh ben, il va falloir apprendre à arrêter d'augmenter le nombre de mètres carrés par habitant. Et les gens de ma génération ont une, je vais terminer par là, hein, les gens de ma génération ont une responsabilité évidente, parce qu'ils arrivent à un certain âge de leur vie où leurs enfants sont plus à la maison, et puis ils gardent leur logement. C'est mon cas. Moi j'ai eu 6 gamins, vous voyez. Bon. C'est mon cas, j'ai plus de mètres carrés que j'ai besoin. Donc la sobriété, pas facile non plus. Merci beaucoup, j'étais absolument ravi de passer ça. Propose ses livres à la dédicace à la sortie de cette réunion. Voilà, et encore grand merci. Dernière petite information, avec le Covid, du coup, on va faire sortir rang par rang. Donc, on commence par le haut et on finira par le bas. Désolé pour moi. Bon, et je suis à votre disposition en haut pour faire des dédicaces si vous le souhaitez.